Bonjour, bienvenue à l'auditorium de Radio France. Nous nous intéressons aujourd'hui à une œuvre merveilleuse, Le Tombeau de Couperin, une œuvre signée Maurice Ravel. Alors, Maurice Ravel, c'est aujourd'hui le compositeur français le plus joué en France et à l'étranger. Pensez au Jeu d'eau, à la pavane pour une infante défunte, pensez à Daphnis et Chloé ou au Boléro. Maurice Ravel, né en 1875, mort en 1937. Et alors pour moi, cette œuvre au titre énigmatique, Le Tombeau de Couperin, c'est l'œuvre emblématique de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'elle est composée pendant le temps de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1917, et jouée pour la première fois dans sa version pour piano en 1918, Salgavo, et dans sa version pour orchestre en 1919. Et puis parce que la guerre, vous allez me dire comme pour tous les Français, a particulièrement marqué Maurice Ravel, qui conduit des camions sur le front à Verdun. Au départ, il n'aurait pas dû faire la guerre. Il avait été réformé, trop petit, trop maigre, mais il a fait beaucoup de démarches administratives pour pouvoir rejoindre le front. C'est d'ailleurs assez émouvant quand on lit certaines de ses lettres à ses amis où il dit « Je sais que ma mère est très malade, qu'elle est mourante, que c'est un crime de l'abandonner, mais je ne peux pas ne pas être sur le front. » Et ce ne sera qu'après une opération et après la mort de sa mère, à la toute fin de la guerre, qu'il va terminer enfin le tombeau de Couperin. Le tombeau de Couperin, c'est un ensemble de pièces. Dans la version pour piano, elles sont 6. Dans la version pour orchestre, elles sont 4. Et chacune de ces pièces est dédiée à l'un de ses amis morts au front. Et des amis parfois de travail et parfois des amis proches, des amis de son enfance, des amis de Saint-Jean-de-Luz, dont il est originaire. Alors bien sûr, ce qui peut paraître un peu énigmatique, c'est ce titre, « Le tombeau de Couperin ». Bon, déjà, qu'est-ce qu'on entend par le mot de tombeau? Alors, du côté de la musique classique, un tombeau, eh bien, c'est un hommage que l'on fait à un autre compositeur, compositeur mort bien évidemment, qui peut être un compositeur mort récemment ou un compositeur du passé que l'on admire. Et Ravel admire particulièrement François Couperin, un des grands compositeurs français du XVIIIe siècle. Le tombeau, c'est donc, comment dire, un monument, mais un monument de son, un monument de musique. Pas un tombeau comme on ferait un tombeau dans un cimetière, non, un hommage. Au fond, on pourrait appeler ça, non pas le tombeau de Couperin, mais hommage à Couperin. Alors, pourquoi écrire à ce moment-là le tombeau de Couperin? Eh bien, je crois que c'est tout simplement, chez Ravel, l'idée d'affirmer, après tout, c'est quand même la guerre entre la France et l'Allemagne, l'intérêt, la richesse, la grandeur de la musique française. Nous allons donc maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par en écouter le prélude. Nous accueillons maintenant notre chef d'orchestre, Pascal Roffey. Thank you.
Merci beaucoup, c'était le délicieux prélude de la suite pour orchestre, le Tombeau de Couperin, une suite signée Maurice Ravel. Et alors, en l'écoutant, je me disais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un prélude ? Et c'est très difficile de vous dire ce que c'est qu'un prélude. Un prélude, c'est en général ce qui commence une pièce, mais il y a des préludes de Bach, il y a des préludes de Chopin, il y a des préludes de Debussy, il y a des préludes de tout un tas de compositeurs, et il arrive même que certains compositeurs, je viens justement de citer Chopin et Debussy, aient pu écrire des préludes qui ne préludaient à rien. Voilà, c'était juste un morceau de piano comme cela. Mais il y a quand même, puisque Ravel a décidé de rendre hommage au XVIIIe siècle, il y a quand même beaucoup de préludes qui font entendre une sorte de mouvement perpétuel, comme vous venez de l'entendre, hein, ce moulin incessant, je ne sais pas si il vous a marqué, mais ce moulin qui se déploie, hein, qui change, qui varie, mais toujours ce moulin incessant. Moi, ça me fait penser au premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. A ce mouvement incessant comme ça des doubles croches, ou dans celui en ut mineur, même chose. Le mouvement des doubles croches, là vous l'avez entendu, c'était ce qui tournoyait comme ça. Si on continuait comme ça, on dirait une pièce de musique répétitive, une pièce de Steve Reich. Mais justement, ça ne continue pas comme ça, parce que Ravel va, dans son orchestration, faire passer ce mouvement continu des doubles croches à tous les instruments de l'orchestre. Et donc, nous allons avoir à la fois le plaisir de la répétition et le plaisir du changement, un petit peu ce que nous cherchons tous dans la vie, hein. Nous aimons le confort de ce qui se répète et nous aimons aussi les surprises. Alors juste je vous propose de détailler un tout petit peu la manière dont ce mouvement continu de double croche circule dans l'orchestre. Peut-être on pourrait déjà l'écouter sous une forme très simple par les hautbois et les clarinettes. Ça, c'est le tout début de la pièce. Plus loin, on retrouve une autre forme de ce mouvement, cette fois-ci confiée au violon. J'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai l'impression de réaliser mon rêve d'enfant, là, maintenant, ce soir, quand on m'emmenait au concert d'orchestre, j'avais toujours envie de sauter sur l'estrade, de tirer par la manche le chef d'orchestre et de lui dire « S'il vous plaît, on peut réécouter, là, la trompette, et vous pourriez me refaire, là, le thème de tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. » Évidemment, je n'avais pas le droit de faire ça. Maintenant, j'ai le droit, c'est formidable, vous ne trouvez pas ? Bon, alors, nous avons écouté le mouvement par les bois, par les violons. Peut-être on peut l'écouter, à un moment donné, dans l'aigu, par les clarinettes. Un peu plus loin, nous avons le motif similaire, encore un peu plus aigu, cette fois-ci par les hautbois. Et puis alors, il y a un instrument que je ne peux pas ignorer parce qu'il est juste à ma droite. Peut-être que Delphine va nous faire entendre ce motif au glouglou de la harpe solo. Et enfin, peut-être écouter la toute fin de la pièce. Donc, ce sont les cordes qui font le moulin de double croche et qui vont entraîner dans leur crescendo tout le reste de l'orchestre. J'adore, on dirait un coup de vent, et puis le vent retombe, et hop, il s'élève une dernière fois à la fin. Nous allons pouvoir passer à la suite
du tombeau de Couperin. Et en fait, la suite, c'est trois danses, puisqu'il s'agit au fond d'une suite de danses. Alors, je dois vous dire d'abord que Ravel était vraiment quelqu'un qui adorait la danse. On peut presque dire que la moitié de l'œuvre de Ravel repose sur des danses, par exemple des danses espagnoles, hein, comme la Habanera ou la Malagueñas de la Rhapsodie espagnole, ou le célèbre Boléro. Et alors, on se demande bien quelle va être la première danse du tombeau de Couperin. Et c'est là qu'on tombe sur une danse vraiment très peu connue, enfin en tout cas pas de moi, la Forlane, une vieille danse, une danse ancienne, une danse vénitienne. Alors pourquoi est-ce qu'en 1914, tout d'un coup, Ravel a l'idée d'écrire une Forlane? Eh bien déjà, il y a cette idée d'hommage à Couperin. On trouve quelques Forlanes écrites par Couperin. Mais il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'il y avait à ce moment-là un grand débat sur la Forlane. Voici pourquoi. Le pape, sa sainteté lui-même, le pape Pie X, s'était un peu ému des progrès du tango. Il trouvait que c'était une danse pas comme il faut. Trop licencieuse, trop voluptueuse, enfin bref. Un jour, il avait dit, on ferait mieux de s'intéresser à la Forlane, parce que la Forlane, c'était une danse ancienne de son pays. Il était originaire de Vénétie, et il trouvait que ça, c'était vraiment une danse comme il fallait. Alors du coup, eh bien, les journaux s'en sont donnés à cœur joie, pour ou contre la Forlane, et involontairement, le pape a failli lancer la mode de la Forlane. Et on trouve des lettres très amusantes de Ravel, qui dit, au moment où il écrit sa Forlane, en ce moment, je turbine pour le pape. Et toutes les revues un peu à la mode, les magazines féminins, font des articles sur cette histoire de la Forlane, une danse très élégante sur laquelle on se met un petit peu à fantasmer. Alors, toute danse repose sur une pulsation rythmique et même sur un noyau rythmique. Le noyau rythmique de la Forlane, il est très joli, très élégant. Il fait pam, 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 pam. Pam, 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 voilà, je vous l'ai donné. Vous allez le retrouver maintenant dans peut-être le début, hein, si c'est possible, de jouer juste le début de la Forlane pour retrouver ce joli petit rythme caractéristique. Ravel, avant d'écrire le tombeau de Couperin, s'était donc évidemment plongé, replongé dans les œuvres de Couperin. Et bien sûr, il connaissait les Forlanes de Couperin. Il y en a une qui l'a particulièrement inspiré. D'ailleurs, il écrit même dans certaines de ses lettres, « Je suis en train de transcrire une Forlane de Couperin ». Alors, il fait plus que la transcrire, c'est carrément un autre morceau. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport entre les deux. Et je me suis dit que peut-être on pouvait s'amuser à un petit jeu de comparaison. Tenez par exemple, si l'orchestre pouvait me jouer un des couplets de la Forlane de Ravel, je vous montrerai qu'il est directement inspiré du thème principal de celle de Couperin. C'est très parlant, vous ne trouvez pas? Tenez, je vous propose l'expérience inverse. Cette fois-ci, je lance un extrait, il s'agit du premier couplet de la Forlane de Couperin, et l'orchestre va enchaîner derrière avec un autre passage de la Forlane de Ravel. Seulement voilà, lorsque l'orchestre a joué pour la première fois le début de la Forlane, on n'avait quand même pas du tout l'impression qu'on écoutait de la musique du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Déjà, il y a évidemment l'instrumentation, l'orchestration, qui ne correspond pas aux instruments, aux habitudes, à l'orchestration du XVIIIe siècle. Mais il y a aussi une autre raison. Et
c'est une raison pour moi très importante dont on ne parle pas assez en musique. À chaque fois qu'on veut commenter la musique, on parle évidemment des mélodies, des thèmes, c'est très important, c'est ce qui nous reste dans l'oreille. On parle de rythme, bien sûr, c'est ce qui nous entraîne, c'est très important aussi. On parle des instruments de musique, ça c'est très facile à comprendre, le basson, le hautbois, le cor, l'harpe, bien sûr. Mais on ne parle pas de ce qui est peut-être l'âme de la musique, l'harmonie, la marche des accords. Or, dans la forlane, il y a des choix d'accords qui sont très particuliers et qui donnent ce caractère épicé, acidulé, citronné même, je dirais. Comment est-ce que Ravel s'y prend pour donner ce caractère ? Uniquement par le choix des accords qui accompagnent la mélodie. Je vous donne juste deux, trois indications. Vous voyez, si je prends un accord tout simple, pour ceux d'entre vous qui ont fait de la guitare, un accord de la mineur. Eh bien, dans la forlane, Ravel rajouterait certainement une petite épice, la septième et la neuvième. Et ça donnerait ça. Qui est quand même plus épicé que le simple accord de La, avec la septième et la neuvième. Même chose, au lieu d'enchaîner, si on entend ça partout, Ravel ferait plutôt. Vous entendez ces accords plus riches, plus acidulés. Tenez, je peux peut-être vous montrer un passage qui, à cet égard, est assez caractéristique de la forlane, un passage que je pourrais, dans un premier temps, harmoniser de manière très simple, avec des accords vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça donnerait ceci. Ça, c'est joli, hein ? Ça fait un peu musique d'Amélie Poulain, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà la manière dont Ravel épice la même ligne mélodique avec des accords un peu plus raffinés. Vous voyez cet accord ? Tout est là. Je vous propose maintenant d'écouter d'un bout à l'autre la forlane avec son citron, son acidulé, son épice. Thank you.
Nous écoutions la délicieuse forlane du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Maintenant, je voudrais peut-être qu'on se penche sur cette histoire d'orchestration, parce que vous vous souvenez, je vous ai expliqué que le tombeau de Couperin, au départ, c'était une suite de 6 pièces écrites pour le piano. Et dans un deuxième temps, Ravel l'a orchestrée. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on fasse une petite expérience avec la pièce suivante, qui est un menuet, un exercice de la version pour piano et la version pour orchestre. Je propose de procéder de la sorte. Je vais jouer une coupe de 4 ou de 6 mesures, des phrases les unes derrière les autres du menu de Couperin, et dès que j'aurai terminé, les musiciens de l'orchestre vont prendre la même phrase et vous allez faire une petite comparaison entre le piano et l'orchestre. Le thème est presque toujours confié au grand dialogue entre Olivier, le hautbois. En tout cas, le plaisir du piano à l'orchestre, de ce que je pourrais appeler noir et blanc et la version en couleur. Après, quelques mots sur le menuet, parce qu'au moment du menuet, vous pensez bien, on est au début du XXe siècle, on danse le menuet. Ravel va être le principal artisan de ce renouveau du menuet. Mais un menuet, évidemment, qui n'est plus le menuet du XVIIIe. Le menuet du XVIIIe, souvenez-vous, c'était, pour ceux d'entre vous qui ont fait du piano, peut-être ils ont joué cette pièce. Petit livre d'Anna Magdalena Bach, qui n'est d'ailleurs pas de Bach. Attention, cette pièce n'est pas de Bach, hein, c'est une pièce de Christian Petzold. On l'attribue toujours à Bach. Bach l'avait recopié pour que sa femme puisse le jouer, mais ce n'est pas une pièce de Bach. Je pourrais aussi vous citer un autre menuet dans la même tonalité de sol majeur, la tonalité justement du menuet du tombeau de Couperin de Ravel, le fameux menuet de la petite musique de nuit de Mozart. Et enfin, nous en arrivons à notre menuet du tombeau de Couperin. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Souvent, les danses dans les suites vont par deux. Ça n'a pas été le cas de la forlane, mais si vous regardez les menuets de Mozart, les menuets de Haydn, les menuets de Beethoven, vous avez souvent un premier menuet suivi immédiatement d'un second menuet. Ravel ne va pas écrire deux menuets de suite, il va écrire un menuet suivi d'une musette. Ah, alors.
Alors, la musette, eh bien, la musette, c'est une danse ancienne et elle doit son nom, bien sûr, à l'instrument, la musette. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une petite cornemuse hein, du centre de la France, composée évidemment des fameux tuyaux hein, qu'on appelle les hautbois, et puis du sac en peau avec l'air qui permet de faire sonner ces tuyaux. Et donc, la musette est une danse à trois temps, une danse que l'on trouve également dans les suites de François Couperin. Je vous joue ce qui, à mon avis, a été la musette qui a inspiré Ravel, qu'on trouve dans l'un des concerts royaux de Couperin, alors toujours avec cet accompagnement très caractéristique. Seulement, naturellement, Ravel ne va pas écrire une musette ni populaire, ni une musette à la François Couperin. Il s'en inspire, mais il imagine tout de suite une musette plus douce, plus voilée. Déjà, il va utiliser le mode mineur. Sol mineur, enfin un mineur très particulier parce que la sixte reste quand même majeure. La tierce est mineure, mais la sixte est majeure. Comme s'il y avait un peu de soleil à travers la pluie. Un mode aigre-doux, majeur-mineur. Et puis, il va la confier non pas au hautbois, mais à un mélange d'instruments peut-être plus étonnant. Vous savez, normalement, si on veut imiter la musette, cette petite cornemuse hein, dont je vous ai parlé, du centre de la France, ça serait logique à l'orchestre de se servir du hautbois. Seulement, le hautbois, il ne faut quand même pas tout lui donner. Il a déjà été le roi du menuet. Et on vient d'avoir le menuet qui va s'enchaîner avec la musette. Alors, vous allez entendre maintenant le thème que je viens de vous jouer de mon piano, le thème en mineur majeur. Vous allez l'écouter dans l'orchestration prévue par Ravel, donc déjà tel qu'il est entendu au début, avec la flûte, les deux clarinettes et le basson. Tout de suite après, le thème est repris de manière un tout petit peu plus corsée, toujours les deux clarinettes, mais dans l'aigu, la trompette avec sourdine, et dans le grave, le cor avec sourdine. Cela donne... Et maintenant, parlons de l'accompagnement. Vous savez, dans les thèmes de musette que je vous ai joués tout à l'heure, il y avait toujours ce qu'on appelle le bourdon. C'est ça qui fait tout le caractère un peu populaire de la musette. Alors, le bourdon à l'orchestre, eh bien, il va être un peu plus raffiné que ce que je viens de faire. C'est un bourdon plus élégant, plus mobile. Ravel imagine de prendre deux violoncelles pour planter la quinte grave, comme ça, nian, nian. Et puis il y a deux autres violoncelles qui font des pizzicatos, tong, 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 tong. Et enfin, les contrebasses qui font une petite caresse avec des sons très flûtés qu'on appelle des sons harmoniques. Les trois ensemble, cela donne ce joli bourdon mobile. Vous entendez bien la tenue des violoncelles, d'autres violoncelles qui font des pizzicatos, la contrebasse en harmonique. Ça, c'est pour accompagner le thème, vous savez, flûte de clarinette et basson. Mais quand le thème devient un peu plus corsé, avec les cuivres, pour maintenir l'équilibre entre l'accompagnement et le thème, il faut que Ravel rajoute un petit quelque chose. Ce sera la harpe et les pizzicatos de violon.
Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être comme dans une grande cuisine, là, avec tous mes ingrédients, et puis je rajoute un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Nous avons été très loin dans le détail. Maintenant, nous allons pouvoir écouter donc, le bourdon, ce joli petit bourdon mobile, un peu renforcé par la harpe, et la manière dont il accompagne le thème de la musette, donc musette et bourdon en même temps. Et en l'écoutant, vous vous rendez compte qu'il y a un petit voile de tristesse qui se fait jour. Je pourrais faire un mauvais jeu de mots en disant c'est normal puisqu'il y a un accompagnement avec le bourdon, donc on a un petit peu le bourdon. Mais je crois aussi que même si Ravel n'a pas écrit une œuvre qui était en rapport direct avec la guerre, peut-être qu'il y a un moment où forcément un peu d'inquiétude, une petite montée d'angoisse doit se faire jour. Peut-être qu'aussi c'était la personnalité de Ravel, hein, qui était très contenue, toujours tirée à quatre épingles, ne parlant jamais de sentiments personnels. Mais enfin, il devait se passer des choses à l'intérieur, et vous allez vous en rendre compte maintenant. Il y a une petite montée d'angoisse, toujours sur ce sol et ré grave, hein, ce bourdon, cette note immobile, mais qui va permettre le seul moment du tombeau de Couperin où, me semble-t-il, un sentiment subjectif, personnel, une inquiétude, une petite angoisse apparaît dans la musique. Après quoi, Ravel chasse les nuages et fait entendre une dernière fois le thème de sa musette, mais cette fois-ci dans le mode majeur, tout doucement, joliment, aux cordes. Tout de suite après, c'est le moment du retour du menuet, mais le génie de Ravel, c'est d'avoir imaginé que le thème du menuet, donc donné par le hautbois d'Olivier, allait se superposer à la musette, une sorte de tuilage, la musette qui est maintenant en majeur. Donc on va écouter juste cette superposition merveilleuse entre la musette en majeur aux cordes en sourdine et puis le retour du menuet au hautbois solo. Je vous propose tout simplement maintenant d'écouter d'un bout à l'autre ce menuet, donc principalement joué par le hautbois solo, puis la musette avec son accompagnement en bourdon, une montée d'angoisse, et puis la dernière citation du thème de la musette en majeur avec la superposition du retour du menuet joué par le hautbois solo. Menuet du tombeau de Couperin. Thank you.
quel délicieux menuet, quel menuet tendre. Et en l'écoutant, je me disais, si on ne devait retenir qu'une chose à chaque fois de chaque danse de ce tombeau de Couperin de Maurice Ravel, c'est toujours ce petit noyau rythmique. Là, c'était pam-ta-ta-tam, pam-ta-ta-tam, pam-pa-ta-tam. Vous vous rappelez, dans la Forlane, c'était pam-pa-pam-pim, pam-pa-pam-pam. Et dans la danse qui va suivre, la danse qui termine le tombeau de Couperin, le rigodon, là aussi, nous allons retrouver un noyau rythmique très caractéristique et qui fait tout simplement tagadagadam. Tagadagadam. D'ailleurs, dans le rigodon de Couperin, dont, me semble-t-il, s'est inspiré Ravel, on a vraiment ce rythme de tagadagadam qui ponctue la phrase. Ça fait taïam pam 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 tagadagadam, taïam pam 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 ta, taïam pam 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 tagadagadam. Et vous retrouvez peut-être en l'écoutant cette danse provençale, parce qu'au départ, le rigodon, c'est une danse qu'on trouve dans le Dauphiné, dans le Languedoc, en Provence, et qui va, après un moment, devenir une danse de cour. C'est toujours comme cela, c'est les danses populaires qui, après un moment, deviennent des danses de cour. Et dans le cas du rigodon, c'est une danse de cour qui va devenir plus élégante, plus précieuse, qui va être une sorte de badinage un petit peu léger, au point qu'on disait de quelqu'un qui badinait, et plus si affinité à l'époque, qu'il rigodonnait. Voilà, c'est un verbe que vous pouvez essayer de caser dans la conversation en disant j'ai passé le week-end à rigodonner, ou peut-être de manière un peu négative. C'est quelqu'un qui rigodonne, mais il n'est pas très sérieux. Enfin, en tout cas, ce rigodon donc, a été très apprécié à un moment à la cour, et donc on en trouve un exemple chez François Couperin. Alors, puisque je vous ai parlé de ce fameux noyau rythmique, tagadagadam, je vous propose tout simplement de le retrouver en écoutant déjà par l'orchestre le début du rigodon. On a parlé de pas mal de choses déjà depuis le début de la séance, mais il reste peut-être une chose importante dont nous n'avons pas parlé, c'est la manière dont un compositeur, à partir d'une idée de départ, déroule le discours musical. Forcément, il répète le rythme, il répète les phrases, parce que s'il n'y a pas un minimum de répétition dans la musique, eh bien la mémoire ne peut pas fonctionner. Mais d'un autre côté, si on ne fait que répéter, n'en déplaise à certaines musiques actuelles, eh bien, au bout d'un moment, c'est un peu fastidieux, c'est un petit peu monotone. Donc, la composition, c'est toujours un art qui mêle la répétition et la variation. Et je vous propose d'entrer peut-être dans le détail de la composition en examinant comment Ravel va varier petit à petit les deux éléments principaux de son rigodon. Le premier, on pourrait l'appeler l'appel. C'est ce que nous venons d'entendre qui nous a le plus frappé l'oreille. Pam, 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 tagadagada, avec le fameux tagadagada rigodonesque. Peut-être on le réécoute une fois, les deux premières mesures. Pam, pararam, tagadagada. Cet appel de deux mesures va intervenir à intervalles réguliers dans le rigodon seulement. Ravel prend soin de ne jamais le faire entendre de la même manière. Il y a répétition, mais il y a variation. Tenez, la deuxième fois qu'il apparaît, nous n'avons pas pam pararam tagadagadam, nous avons deux fois de suite pam pararam pam pararam. Un peu plus loin, Ravel le réduit à une seule mesure, pam pararam. Et vers la fin de la pièce, nous retrouvons le motif complet pam pararam tagadagadam, mais dans une autre tonalité plus grave avec une dominante de cordes. Et donc, il y a un deuxième élément, je ne sais pas si vous l'avez perçu dans le rigodon, c'est une sorte de moulin. Tagadagadagadam, tagadagadagadam, tagadagadagadagadagadagadagadam. Il y a toujours alternance entre ce que j'appelle l'appel et le moulin. Donc, écoutons déjà ce moulin par les cordes qui entraînent l'orchestre dans un grand crescendo.
Un peu après, le moulin est légèrement modifié pour notre plus grand plaisir, puisqu'il est confié principalement au basson. Petite modification rythmique, hein, au lieu de faire toujours tagada, gadagada, 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 maintenant c'est devenu tagada, gadagada, ta-ta-ta-ta. Et nous allons retrouver cette même modification rythmique, un tout petit peu plus puissante cette fois-ci, puisqu'elle est confiée au cuivre, corps, puis trompette. Et enfin, tout doux, dans l'aigu de l'orchestre, une orchestration vraiment que j'adore, scintillante, les flûtes accompagnées par la harpe, avec un crescendo comme un coup de vent qui va entraîner tout l'orchestre. Et à ce moment-là, qui est-ce qui va avoir le dernier mot ? Est-ce que c'est le moulin ou la pelle ? Ce sera la pelle, donc les deux dernières mesures du rigodon sont les mêmes que les deux premières mesures, à savoir... Et voici pour le rigodon. Mais le rigodon est suivi d'une partie centrale, c'est une sorte de, je dirais, de sérénade mélancolique. Nous allons retrouver le hautbois. Oui, parce que le hautbois, c'est vraiment l'instrument roi de toute la composition. Et alors, c'est drôle parce qu'une sérénade, on a bien l'image de quelqu'un qui chante accompagné par la guitare. Il n'y a pas de guitare hein, dans l'orchestre. Mais les cordes, enfin une partie des cordes, va s'en charger, va imiter la guitare en faisant des pizzicato. Donc, nous écoutons un peu de sérénade mélancolique au hautbois accompagné par la guitare des cordes de l'orchestre. Une mélancolie particulière. J'ai l'impression que le hautbois a la larme à l'œil et en même temps, il est un peu goguenard, comme s'il se moquait de lui-même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, on a entendu des notes très graves, plus graves que ce que peut faire un hautbois. Et en fait, elles étaient confiées au cor anglais. Le cor anglais, c'est Stéphane, c'est un peu le grand frère, si je puis dire, du hautbois. Il a la voix un petit peu plus... Peut-être qu'on pourrait faire entendre du motif qui passe du hautbois au cor anglais. Bravo! Je pense que nous en savons assez. Nous allons l'écouter en entier. Donc, d'abord, nous écoutons la joue avec son appel. Alterner ces variations d'orchestration, puis partie centrale, sérénade mélancolique, du hautbois, frère quand il a besoin de notes plus graves, et puis retour pour terminer le rigodon, dernière pièce de Maurice Ravel.
Voilà, maintenant, avant que nous n'écoutions de manière enchaînée, en entier, ce merveilleux tombeau de Couperin de Maurice Ravel, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. D'abord, vous dire que Ravel n'en aura pas terminé avec la Première Guerre mondiale. En effet, 10 ans après, il va rencontrer un pianiste manchot, Paul Wittgenstein, un grand virtuose qui a perdu son bras droit à la guerre. Il était engagé volontaire, mais lui, sur le front russe. Paul Wittgenstein était le frère du célèbre philosophe et il était assez riche, donc il a commandé pas mal d'œuvres à des compositeurs, des œuvres pour la main gauche, puisqu'évidemment, il ne pouvait plus jouer que de la main gauche. Et c'est ainsi que Ravel a écrit une de ses plus belles œuvres entre 1929 et 1931, le concerto pour la main gauche et orchestre. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est une réflexion sur finalement ce qu'est la création. On pense souvent que la création, c'est toujours un moment de rupture, un moment un peu révolutionnaire, voire de table rase. On oublie le passé et on invente un nouveau monde artistique, un nouveau monde sonore, puisque nous parlons de musique. Ça peut être le cas, effectivement, il y a des œuvres comme cela, je ne sais pas, je pense au Sacre du printemps de Stravinsky, ou peut-être le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Mais il y a une autre manière de considérer la création, c'est toujours de puiser dans le passé, de quoi inventer en quelque sorte l'avenir. Et dans le cas du tombeau de Couperin, je pense qu'on a là une œuvre qui non seulement, on l'a vu, est emblématique de la Première Guerre mondiale, mais est également emblématique de tout un mouvement qu'on va nommer le néoclassicisme. Cette manière dont un grand nombre de compositeurs au XXe siècle sont revenus à des formes, à des rythmes, à des couleurs, à des mélodies qui appartenaient plutôt au XVIIIe siècle. En quelque sorte, ils tendent la main au passé pour mieux inventer l'avenir. Donc, nous écoutons maintenant toute la pièce, les 4 pièces enchaînées qui forment le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Pascal Roffet.